Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéale. La dernière d'Alaric, et puis après je pense qu'on fera la suite. On fera la suite, hein. Dracula, Scorfa, Barry, je les ai pas tous, Eldorado, Prisjack et la bataille des oubliés. Je crois que je les ai tous, mais je suis pas sûr. Donc là on va laisser faire, il y a beaucoup d'animations et beaucoup de textes. Hop, petite vitesse x2. Alaric, donc les verts, nous on est toujours le bleu foncé, vous inquiétez pas. Va aller combattre, donc petit coup de trébuchet dans vos gueules. Du lore, c'est juste du lore. Laissez faire. Ok, le bélier, donc nous. Très grande carte, on va attaquer Rome. Donc là, on va juste s'occuper du bélier. C'est quand vous voulez. Voilà. Ok. Là, on va juste faire ce que le jeu nous demande. Hop, mode défense et se passer. Il y a 2-3 légionnaires, rien de bien méchant, le temps de péter cette petite porte. On recule, on laisse faire les alliés un petit peu. Même un centurion. Non, un cataphracte. Je pense qu'ils voulaient mettre un centurion. Bon, les Yacoub et les Bélisaires, comme d'habitude, vont disparaître. Hein. C'est l'or. Allez, meurt. Il en est où le portail? Ok. C'est du légionnaire, c'est pas méchant le légionnaire, c'est quand même une très bonne unité, mais rien de bien méchant. Ils ont 130 PV le cataphracte là, y a pas un problème. Voilà. Donc on a plus ou moins perdu les unités. Après il y a ici, on va récupérer ça. Faut pas qu'Alaric meure, bien sûr. On récupère. On a chien, d'autres légionnaires arrivent donc. Hop, on recule. On recule, on recule, on recule pour qu'il y ait quand même des gens à tirer. Il y a du monde, hein, c'est bon, ça je dis ça. On va par là et on envoie les armées. Le jeu, c'est de tenir. Voilà, et on se défend ici. Là, ils vont fuir, vous inquiétez pas. J'ai juste le temps. Et ici, on récupère lui. Qui se fait déjà attaquer. Donc, les bélisseurs, c'est fait. Apporter les ordres à Artof. Donc, Artof est là, il faut passer ici. Ou ici, mais on va passer au deuxième endroit, là. Putain, mais merde! T'as déjà perdu 30 PV. Plus, ils ratent pas leurs flèches. Là là. Il est autant bugué là, comme ça m'énervait. Bref, on continue. On va passer par là. Faire attention aux gardes royales. Aux légions impériales, pardon. Qui sont sur le chemin ici. Hop, on va essayer de voir. On passe, on passe, on passe. Mais ils sont pas là, donc on passe, hein. Déjà 130 PV. Ça pique un peu. Pas d'autres unités sur le chemin. Il y a un peu Rome qui se balade avec des fermes un peu partout. Et là, il y a les 4 archers. Qu'on va éviter, on aurait plus de PV. J'aurais pas dit non, mais avec tous ces PV qu'on vient de prendre face à la tour. Ouais, plutôt là, hein. Faut pas descendre si il faut descendre. Ici, t'as le pont cassé. On descend. Du coup, on descend. T'es pas chiant, hein. Binder 1. Ok, on continue. On continue. Donc là, on snob les archers. Donc il y en a deux là, puis deux ici. Ils vont donc avec quelques flèches, rien de bien méchant. Donc on va essayer d'aller par là. Faire attention aux deux tours là-haut. Une, deux. Essayer de pas crever alors que dans la théorie c'est hyper facile. Ça pique, hein, ça pique. Petite distance, hein, mais on va passer. Ça va être très rapide. On y est. Plus d'autres ennemis, vous inquiétez pas, Rome et Alliés, bien sûr que oui, hein, c'est un peu les civils et on doit tuer la Légion impériale et on y est arrivé. Pas confondre garde de la ville et Légion impériale. Ça, c'est de la Légion impériale, par exemple. Salut à toi. Artof doit survivre. Donc voilà Artof. Atolf. Atolf. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est une embuscade, on est là pour contrer.
Rien de bien méchant, c'est du chevalier, on est en full piqué lourd et d'autres conneries. Beaucoup d'archers. Oula, il n'y a pas moyen qu'on perde. Ah, nous avons perdu trop d'hommes lors de cette attaque. Nous devons reconstruire nos forces avant de pouvoir continuer la vie. Vous, les villageois, rassemblez autant de nourriture que vous pourrez. Nous n'avons pas suffisamment pour nourrir plus d'hommes. Donc là, juste rapidement, on envoie 3 là. 3 là, on va dire. Pour l'instant, il faut juste rassembler 250, ouais. 4 archers, c'est parfait. Hop, 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 hop. Ok, ouais, ils vont s'occuper du cerf, ça va faire 140 de nourriture assez rapidement. Juste rapidement, là, on s'occupe du cerf. Ici, beaucoup de ruines. Et après, l'objectif que je vais nous demander, c'est de faire une petite armée. D'atteindre la cathédrale. Ok, par là, pas la cathédrale, mais le machin. Par contre, il y aura beaucoup de gardes de la ville sur le chemin. Toujours mon petit cheval. Toujours Alaric ici. Bon, c'est quand vous voulez. On est déjà à 40, ça va assez vite. Eux, ils vont s'occuper du cerf et puis on les envoie au buisson juste après. Ils t'envoient 30 chacun n'en reste plus qu'un et on s'occupe de la nourriture. Hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous envoyez tout. Voilà. Et on retourne au buisson. Et vous deux alors. Hop. On n'a pas de bûcheron, on a 4 bûcherons. On commence avec une petite blinde de villageois. Ça, c'est de l'allié. Là, ils vont nous ouvrir le portail. Enfin, ils vont nous donner le portail indirectement. Porte déverrouillée, voilà. Vu que c'est allié, rien de bien méchant. On est déjà à l'arche impériale. T'as encore des condottiers pas chers. Hein. Unité disponible. Si équipé rapide. Bonus d'attaque pour les forces à canon. Attaque forge. Ligne de mer. Il faut atteindre ici. Faut faire la laitue, ce machin. Il y a du monde, du centurier, du piqué lourd, énormément de piqué lourd, c'est pour ça qu'on n'y va pas avec la cavalerie. Et ça va repasser ennemi. Voilà. Et ça c'est à nous. Et on a Artof, 2-3 trucs, faut faire attention aux violets par ici. Les objectifs faut changer. Amener Alaric, donc Artof, enfin ils sont trompés. Jusqu'à l'arche de Constantine. Donc lui, il faut l'amener à l'arche de Constantine. Et on va commencer un peu d'explo avec un villageois. Pas du tout. Si, pourquoi pas. Je vais marcher. On va faire un marché là. On est reparti pour une quinzaine de villageois, s'il vous plaît. Un genre là. Et on va faire un petit peu d'exploit avec. Ouais, mais de l'exploit avec Artouf. Non, 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 je suis désolé. On y tire ce personnage. On a de la carrière à 350 ici. Hop. Putain, j'ai pas assez de bois. Bois, bois. Les 3 prochains en bois aussi. On attend que le marché se fasse. Et c'est parti. Pas d'amélioration de forum, je crois pas. On achète. Pas cool, hein. S'il vous plaît. Ouais, je sais, c'est cher, mais ça va être très utile, hein, c'est pour de l'exploration environnementale. De toute façon, après, quand il y aura 15 villageois par activité, il n'y aura plus de problème là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce qui est ici. On va faire un truc. Vous êtes pas cool là, hein. Vous êtes pas cool. Allez par là, allez par là. Toi, va défendre. Non, mais toi. Putain. Pas cool, pas cool. On s'en fout. On va commencer à faire des protections, aller farmer beaucoup de pierres pour des tours et des conneries. Voilà. Alors, on va faire regarder où sont les villageois inoccupés. Donc, vous trois. Pierre. Vous deux. Nourriture. Toi, merci de me repérer des gros spots d'or. Va me faire une tour par là. Vous trois. Bois. Ne reste pas ici.
On va faire un petit peu de bois, la pierre ça commence. J'ai perdu mes villes de villageois de l'or. Madame. Ok. Et je commence à avoir beaucoup de bois. Par ici, tu vas vraiment faire un ici. On va souvent se faire attaquer par eux. Je vous le dis très honnêtement, bah déjà des connards. Vous allez me le tuer, vous allez me le tuer, il doit survivre. Là là, ouh là s'il te plaît, survie. Va par là, va par là. Comme ça, il va se faire attaquer par cette connerie. Ok, t'étais où? T'étais au bois? Eh bah tu vas me faire une tour ici. Ah, ça commence à m'énerver. On aurait une tour par là, donc tu vas commencer à t'expandre par ici, s'il te plaît. Petit constructeur de tours. C'est trop la vie, ça coûte pas cher, c'est génial. Et je reveux beaucoup de villageois. Alors, on va se dire une dizaine de plus. Pas de villageois inoccupés, ils sont en train de faire du bois ici. On va se faire une tour ici, voire même un château, vous allez voir. Le château, je pense, va être offensif, soit là, face à eux, soit là. Comme ça pourra quand même attaquer des lignes par là, on verra. Toi, nourriture. Toi, amélioration de nourriture. Puis beaucoup de ferme, comme ça, il n'y a plus de problème. Hop, hop. Vous êtes casse-couille. Je vais en avant-poste ici pour voir d'où ça vient. Ok, on a déjà cette amélioration. Ok. On va attendre que ça se fasse tranquillou. Ouais, vous êtes toujours là-dessus. Ok. Ça reprend. Pas de villageois inoccupés, si, beaucoup trop de villageois inoccupés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres spots de pierre du coup? Bon, ça c'est de l'allié. Ah, mais les alliés, qu'est-ce qu'ils foutent tout là-bas? Vous pouvez pas vous rapprocher. Pas de spot de pierre. Du coup, on va aller investir déjà cet or. Commencer à investir cet or. Ici, on en a trop de plus. Pas de nourriture par là? On va faire une ferme avec 2-3 conneries ici, tiens. Pareil pour toi, ma cocotte. Ici, bah ouais, je me suis dit qu'à un moment j'ai plus de carrière, c'est pour ça que je cherche. Va falloir vite ressonner. Et on va faire piquer lourd ou hallebarder? Hallebardier, mais on va faire des conneries. Ça? Ça coûte pas cher, je peux faire une dizaine. Enfin. On va faire plutôt quelque chose de ce style. Ok. Villageois inoccupés, vous quatre. On va faire les fermes. C'est, comme vous le voyez, un petit peu difficile. Bon, cette soi-disant installation qui complique les choses. En soi, ça devrait pas être si dur, on va dire. Petit spot de pierre là, mais difficile. Sinon, toi. Hop. Aidez alors. Ici, on a notre mineur d'or. Ok. Bûcheron. Va faire un truc ici. Toi. Voilà, Artouf, t'es vivant. Oh putain, t'as récupéré tes PV, ça fait plaisir. Toi, ouh là, toi, je sais ce que tu vas faire. Vous allez au dé au bois, et vous, toi, enfin, toi, tu vas me faire une petite forge. Quoi qu'elle est là. Et putain, on n'a plus rien ici, merde. Attends, attends. On va voir si on n'a pas quand même une connerie par là. Vous me cassez les couilles. Fuis, fuis, fuis. Fuis. Oh, tu vas te faire buter, connasse. Allez.
Vas-y, fais-en moi un là. Laisse tomber. Va te combattre, t'es morte. Oui. Ah, ils vont me la péter cette tour à force, hein. Va faire ça. Va la pierre, s'il te plaît. Pense qu'on va juste acheter de la pierre et faire un château. Là. Comme ça, ils peuvent quand même un peu canarder ici. Ici, on a 7 tours de guet. Villageois inoccupés, on n'en a plus. On a nos défenses qui sont là. Des petits condottieri. Ça va pas beaucoup en hein, 80, 1 plus 2, machin, c'est pas ouf, mais ça va en vrai, voilà, c'est pas méchant. Et on commence déjà à investir. Hein. Ok, toi c'est bon. Pas d'amélioration de minage, non, on veut commencer à aller vite. Voilà ce qui tombe toutes les 30 secondes. S'il vous plaît. On va se faire canarder, hein, je le sens. Non, ça va, on défend. Est-ce que je suis obligé de retirer la cloche? Non? Putain, ça va en plus, hein. Putain, je me suis bien défendu. On va dire qu'on s'est bien défendu. Je sais que dans genre 5 minutes, ils vont envoyer des béliers et tout, hein. C'est ça le problème. Va me falloir beaucoup de camps de tir à l'arc, on va les faire ici. On va faire là plutôt. Genre là. Une. C'est Z, ok. Deux. Trois. Une. Deux. Trois. Ça fera l'affaire. 8. Décale la fille du château, l'envoie. La pierre avance petit à petit. Petite amélioration brassard. Pouvoir porter avec tout vous. J'ai besoin d'une university qu'on va caler, je crois, là. Beaucoup de machin. La nourriture commence à être déjà très bien. Vous au bois, s'il vous plaît. Ok, on a déjà une et le château est fait. Conscription, meilleur truc du monde, conscription, hein. S'il vous plaît. Attention, ouais, je le sentais, je le sentais. Vous m'allez là. Et vous voyez qu'il y a quand même une sorte de micro-difficulté. On n'a pas perdu d'homme, tant mieux. Mais il y a de la difficulté dans. Oh, putain, ouais, je suis quasiment post-apo, en fait, ça se voit pas. Quelles améliorations je peux faire? Ah mais l'archer de cavalerie c'est tellement loin à construire. Je pensais du fantassin à arc moi. Ah je réfléchis, je réfléchis. En tout cas, combien c'en est où ça? C'en est où? C'en est à 105. Villageois, les unités de caserne sont créées deux fois plus rapidement. Putain. C'est génial ça. En fait tu peux faire une armée d'ourslars ou de fantassins épée longue. On va envoyer un villageois, hop tu vas là. On va t'envoyer toi faire une autre tour. C'est bien ici. Et les autres camps de tir à l'arc. Ouais, on va faire de l'anti-infanterie sur le camp de tir à l'arc. C'est toujours pas mal. Enfin, c'est quelque chose à essayer, j'ai envie de dire. S'il vous plaît, messieurs. Déjà aller voir si on n'est pas limité à 75. S'il vous plaît, dites-moi que non. Ça se passe bien, vous inquiétez pas. Mais c'est de la tour de guet inaméliorable. Ok, on n'est pas limité à 75. Ok. Je vais commencer par celui-ci. Voilà, ça fera l'affaire. Ici, tout est créé. Ici, tout est créé. Allez me faire du bois là. Ok, ici ça se passe bien. Ici on va faire cette amélioration-là. Et ici on va consacrer des archers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Puis c'est la vitesse où ça va. C'est génial. Pas là. On va dire là pour vous. On va laisser le reste faire. On manque d'or. On manque d'or. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que vous trois, vous allez à l'or après. Et ici, c'est bon. On a déjà une belle petite troupe, mais c'est pas fini. C'est qu'on va commencer à manquer d'or. Ouais, non, mais vous inquiétez pas. On gère la situation. Ici, il y a le bois qui arrive. On a beaucoup trop de nourriture. Vous trois. Or. Et vous trois. Or. Ok. Et ici, c'est bon. Oui, vous pouvez, si vous voulez, ma défense. Mais je veux pas vous perdre. Hein. T'as les condonnières, mais comment ça se défend bien? On manque vachement d'or. J'en ai 6 ici, 5 ici. J'ai tout ça au bois. Plus tout ça au bois. S'il te plaît. Et plus vous trois qui va aller à l'or. Sauf toi qui va rentrer là-dedans. Et on va commencer des constructions pour savoir où est-ce que quel chemin on va prendre. Je sais approximativement quel chemin on va prendre. On est déjà une vingtaine de minutes, c'est ça? 21 minutes, on est déjà à 21 minutes. Je sais environ quel chemin on va prendre, mais on va le faire ensemble. Pour éviter tout conflit. Voilà. Toi, tu vas être mon villageois de garde. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. À part toi. Il y a toi. Hop là. À part toi. À part toi. À part toi. Plus, ça coûte pas cher, hein, ces conneries. Bon, elle est morte, hein, de toute façon. On a tous nos comptes tirés à l'arc pour faire full archer. Le château, on l'a pas fait cette amélioration. 400 de bois, 600 d'or. C'est cher. On va commencer avec ce petit groupe-là pour passer la première ligne ici. On va vous numéroter. Donc 1, donc 2. Vous espacez mode défensif, vous le savez très bien. Enfin, on les a pas mis en mode défensif, mais ils sont défensifs, vous inquiétez pas. On a nos mineurs d'or. On a nos 40 bûcherons qui font que de la merde. S'il vous plaît, rapprochez-vous. On a nos deux ultras. Et on va faire ça, perfusion, pour les prochaines attaques, vous allez voir. Parce que les condottieri, c'est une unité. Et puis des yeux scrac aussi. Voilà pourquoi on a pris des archers. Ok. Toi tu te rapproches et on continue avec vous. Toi tu vas être en groupe numéro 2. Ça se passe bien ici, ça se passe très bien ici. Qu'est-ce que tu fais toi? Et pourquoi toi t'es pas parti alors? Attention, ouais, ça tape la défense, mais on va quand même aller défendre nous de l'autre côté. On peut la verrouiller la porte si on veut. Je sens la douleur. Ici. La suite est par là, donc on va essayer d'en caler une là. On peut continuer. S'il vous plaît, on continue le chemin. On verra où est-ce qu'ils vont. Ok. Tout bizarre, tout bizarre, tout bizarre. Ramène ton bois, je voudrais une autre caserne après. Deux casernes. De toute façon, on va aller genre 75 fois plus vite avec les casernes. On va construire deux de plus, trois de plus. Je voudrais cinq casernes, s'il vous plaît. Voilà, sur une caserne, ça fera l'affaire.
Ok, ça a l'air de bien se passer. Se passe très bien même. Non, on commence à perdre des hommes. Toi, si tu arrives. Non, on doit passer la ligne quand même avant. Ah bah, c'est de la réflexion avant tout. Pas demander du piqué lourd, de la condonnière, condottière, condo connerie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous passez pas. Hein. Défendez, faites des dégâts. On recule, on tape. C'est vrai qu'anti-cavalerie. Va falloir beaucoup plus d'or que ça. On passe aux condottières. Avec cette belle amélioration, il nous reste celle-ci. Ah, c'est cher. Et c'est parti. Vous êtes toujours sur le mode défense du bas. De toute façon, on a le château, on a les deux tours. En attendant la construction de celui-ci, on fait full condottière. Tellement pas cher. Bah, vitesse. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, j'aurais. Ça va plus vite ici. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas fait cette amélioration, bizarre. Et toi alors? Et on va prendre vous du bois. Alors, ici la mode défense se passe très bien. Et voilà, comment avoir une très belle armée. C'est vrai que vous allez plus lentement, c'est très bizarre. Et hop, vous passez en groupe 1. Et vous allez défendre ici. Créateur d'avant-poste, putain. Ramène ta fraise. T'es où? T'es là. Retourne ici, s'il te plaît. Putain, ils vont vite, ils sont efficaces. Ils sont 9 plus 4 avec une bonne défense. C'est génial, c'est trop bien cette unité. Et ça coûte tellement pas cher. Mais bon, on va falloir quand même des archers, hein. Attendez, attendez. On va quand même aller défendre pour l'instant. Puis après, on ira construire des archers, le temps de se faire un peu d'or. Mettez-vous comme ça plutôt. Allez, on va attaquer par là. Et je vous laisse dans votre connerie. Vous 6. Je mets un camp de mineurs ici. Ouais, comme ça c'est bon. Comment ça se passe? Bah voilà, vous êtes passé. On va faire un avant-poste. Je crois qu'il y en a derrière quand même. Non, il n'y en a pas derrière. Va falloir attaquer après. Et on va réussir à passer, hein, vous attaquez pas. Arthur, va dans le château, comme ça je sais où t'es. Lorsque je suis fait attaquer ici. Rien de bien méchant. Il passe jamais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça fait du monde, hein. Vous allez y arriver? En espérant que vous réussissez, quoi. Allez, on tue tout le monde. Ici, je veux des archers. Je sais pas où je m'arrête. Ça fera l'affaire. 6 x 8, beaucoup. Trop même. Voilà, on va faire ça. Et vous êtes passé. Du coup, toi, on avance, on continue d'avancer. On y est presque. Hein. Et puis, je crois qu'ici, on va devoir monter et aller à droite. Pour éviter le moins d'ennemis, en fait. Le plus d'ennemis. Éviter le plus, surtout. Ça se passe bien ici, les deux tours. Ou ça se passe bien. Putain, j'ai commencé à en perdre un moment. Ça, c'est trop bien, ça, c'est la vie. C'est dommage que ces casernes-là n'ont pas, entre guillemets, eu l'amélioration. Ça va trop vite ces machins, c'est trop la vie. Ça coûte pas cher, ça va vite. Ouais, allez-y, allez-y. Où doit aller là, s'il vous plaît? Ça se passe comment? Putain. Ah ouais, vous avez fait. Vous avez fait le truc, hein.
La démarche est là. Hop. Et on est arrivé ici. Toi. Je fais un tour de guet ici. Vous. Groupe 3. Ils sont où? Ils sont là. Dépêchez-vous. Et vous voyez comme quoi on n'a pas eu la nécessité de faire un très grand truc. Si on est déjà à la demi-heure de vidéo. Je sais bien. Hein, lui quand tire à l'arc et ça suffit. Peut-être un peu beaucoup même. Très peu de pierres sur la carte. Enfin, peu de pierres explorées. Mais sinon, ça a l'air d'aller. On attend les archers qui sont là. Qui vont pas très vite. Hein. On peut même au cas où retaper la condottiere si il nous en manque. Ok, vous avez tout. Allez là. Puis là, c'est parce que on va devoir aller chercher la madame juste après. Ok, vous allez là maintenant. On n'est pas passé à l'arbitré génois d'élite. Si ça se passe très bien, vous inquiétez pas. Putain. C'est condottiere, vitesse de construction insane. Oui, vous passez en groupe 2 parce que vous avez commencé à m'énerver et vous allez là. Et ça va être parti. Hein. Beaucoup de défense face au piqué lourd, c'est pour ça qu'on n'y est pas allé au paladin. Du légionnaire et un très grand centurion, 170, 12 plus 2, c'est même pas un centurion. Max, mais voilà, ils sont gardes de la ville. Dès qu'on a tué ça, ça va être fini. Artof, tu peux sortir. Qu'est-ce que c'est, cette Jurtra? Voilà. 2, 1. Donc, 1, 2. 1, on attaque. Et voilà. Et là, c'est plié. On a juste à tirer. Un va me les chercher. Deux, avancer. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Oh, le centurion en deux shots, hein, c'est fini. Et on clique et il meurt. Et on clique et il meurt. Ouais, certes, on va perdre quelques hommes, mais c'est plié. Hop, 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 hop. On va là, Artof. Tu passes au groupe numéro 2. Et tu vas ici. Et vous, au groupe numéro 1. Artof. T'y es pas. Vous êtes mauvais défense. Je vous ai dit, défense à arc, c'est la vie. Peut-être un peu trop sur l'exposition des villageois. My bad. Ici, on a quoi? Un petit fantasa épais long. C'est pas la Rixarto, enfin c'est une connerie, hein. Ils sont trompés. Je préfère vous prévenir, vous allez voir après la carte. Voilà. Les renforts vont arriver, vous inquiétez pas. Ouais, on n'a pas vu, mais il y a plein de machins. On s'en fout en fait. Les renforts sont là. Hop, on y va ici et on y va ici. Enfin, toi, tu peux plus te rapprocher par là. Ici, eux, ils vont faire la vie, on s'en fout, c'est des alliés. Là, ça me tue, ça, c'est trop bien fait. Hop. C'est pas un arbitrier génois qui va me casser les couilles. Mais juste, j'aurais bien anticipé un peu de défense quand même. Ouais, ça tape du 5. Bonjour, machin. Et c'est bon. Et c'est pas Alaric, hein, c'est Artof, ils sont loupés. Et bien qui voilà la sœur de machin, de votre là. Va la tuer, s'il te plaît. Hop là. Et on se remet en mode victoire. Confuse. Et c'est gagné. Enfin, bonjour Alaric. Bonjour vous, que je vais jamais passer Eric avec 10 machins. Et on ira. On rentre dans la base et on se fait plaisir. On sait pas où ils vont. Après c'est du lore, laissez le somme, ça cache Rome, et c'est gagné. Et Rome, c'est grand. C'est très grand. Alors nous, on pouvait passer par là. On avait ici,
Beaucoup d'ennemis. On aurait pu passer par là, mais ils étaient quasiment blindés ici. Donc on est passé par en haut, qui était un petit peu plus léger. Ça, c'est des machins. Ici, il y avait des piquets, tu sais pas pourquoi. Ici, donc je vous ai dit qu'il fallait prévoir la défense ici. Énormément tour de guet. Donc pas possibilité d'attaque ici. On aurait pu attaquer, mais éviter. Ici, c'est que t'as la maison. Ici, c'est deux, trois petits trucs. Si on voulait passer avec les cavaleries. Cavalerie qui devait atteindre Arthov dès le début. Et rien de plus, hein. Du coup, de la pierre. Est-ce qu'il y avait de la pierre? Pas plus bas, pas tout en haut. Derrière chez eux, non, je ne vois pas de pierre. Hein. Moi, je vous le dis très honnêtement. Ouais, il n'y avait pas de pierre, en fait. Là? Et c'est normal qu'il y avait des... Oh putain. C'est pas con, ces connards. Putain, il y a du monde qui est arrivé. Et puis, c'est tout. On a fait ce qu'il fallait faire. On se retrouvera pour la nouvelle campagne qui va être Dracula, je crois. Donc, Alaric, c'est fini. Je vous fais de gros bisous. On se retrouvera pour une nouvelle campagne.